parfait, c'est pas mal. La hausse de température de la mer Méditerranée va être liée à la fois à une hausse de son niveau, que l'on va pouvoir constater au niveau du trait de côte, mais également avec l'évaporation à un potentiel de précipitation qui va être plus important. L'océan, par exemple, accumule actuellement 90% de l'excédent de chaleur de l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on dit que la température de moyenne de la Terre augmente avec le changement climatique, une majeure partie de cette augmentation de température est en fait absorbée par les océans qui se réchauffent. Et donc forcément, le suivi de la température de l'océan va avoir un grand intérêt pour le suivi du changement climatique.